à tous. Merci beaucoup d'être présents donc, pour cette première, pour la reprise, la conférence de reprise donc, de la saison ici au Collège Laïque au Palais Provincial donc, de Namur. Nous ouvrons la saison en fait par un cycle de 4 conférences hein, dont M. Ronz va être le premier orateur. Donc, je rappelle simplement d'abord un petit peu les dates du cycle pour resituer un peu le contexte. Donc, c'est le cycle sur la robotisation de la vie, enjeux technologiques, juridiques et éthiques. Donc, qui est coordonné par le professeur local ici, Dominique Lambert, qui malheureusement ne sera pas là ce soir et s'en excuse. Et donc, la première conférence, dont j'introduirai l'orateur dans un instant, donc de Renaud Ronz, Être humain dans un monde de robots, donc plutôt une approche ingénieure, technologique, dirons-nous. La semaine prochaine, nous aurons la chance d'écouter, donc le 5 octobre, René Rézoasi, donc aussi de Lucet Louvain, plutôt une approche biologique alors sur manipuler le vivant et son hérédité, pourquoi et comment. Après petite pause, on attendra donc le 18 octobre pour écouter enfin, donc, ensuite Yves Poulet, donc ancien recteur honoraire de l'Université de Namur, sur le robot saisi par le droit, donc plutôt une dimension juridique de la problématique cette fois-ci. Et enfin, en clôture, donc le 19 du 10, nous écouterons Élise Degrave, donc aussi de l'UNAMUR, et Dominique Lambert, les robots des décideurs dans l'action publique du droit à l'éthique. Voilà qui conclura donc, je dirais, ce cycle par différents apports donc, sur la problématique des rapports robotiques et vie. Alors aujourd'hui, c'est un grand plaisir donc, d'accueillir le professeur donc, Renaud Ronz, qui a obtenu donc, un master en génie électrique en 2002 et un doctorat en sciences de l'ingénieur en 2007 à Liège. Alors après des séjours postdoctoraux à la KU Leuven et à l'EPFL, si je ne me trompe pas, à la Polytechnique de Lausanne, il obtient un poste de chargé de cours à Lucet Louvain en 2011, où il sera promu professeur en fait, dès 2018. Alors ses projets de recherche se concentrent sur, le transfert des principes régissant le contrôle neuronal des mouvements humains vers la robotique centrée sur l'humain. Ses domaines d'application sont la robotique d'assistance et de réhabilitation, principalement pour le membre inférieur, et la robotique humanoïde, toujours selon ce principe dont il nous parlera peut-être, de bio-inspiration. Et plus récemment, il a lancé un programme de recherche collaborative pour comprendre les biomécanismes qui optimisent l'efficacité de la locomotion chez les animaux qui nagent et qui volent. Et je le remercie encore d'être présent ce soir et je lui cède la parole tout de suite. Voilà, bonne conférence. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à toutes et tous d'être venus ce soir. C'est un honneur et un privilège pour moi de vous parler dans cette magnifique salle. C'est la première fois de ma vie que je pose mon sac sur la chaise d'un gouverneur. Donc j'espère que nous serons dignes de cet illustre cadre pour cette rencontre. Donc c'est pour moi une grande joie de faire partie de ce cycle de conférences sur la robotisation parce que je travaille dans le domaine de la robotique depuis de nombreuses années. Je suis le technicien de service hein, dans la bande des orateurs et des oratrices qui font partie de ce cycle. Donc moi, je suis plutôt un ingénieur, comme ça a été évoqué. Donc je vais parler évidemment des aspects techniques, des aspects d'ingénierie dans le domaine de la robotique et plus particulièrement dans le domaine où la robotique et le vivant se rencontrent. C'est vraiment le thème de cette série de conférences. Donc j'ai intitulé mon exposé de façon un peu provocante « Être humain dans un monde de robots ». Probablement, je dis que c'est provocant parce que ce n'est pas encore une réalité qui nous touche aujourd'hui, mais c'est une réalité qui pourrait nous toucher ou toucher certaines et certains d'entre nous dans des contextes dont je vais évoquer l'existence aujourd'hui. Alors, il y a un aspect qui va être assez transversal à ma présentation, c'est la notion d'augmentation. D'augmentation de l'humain, c'est un terme qui est utilisé dans plusieurs contextes, dont celui de la robotique, de la machine, quand la machine augmente l'humain. Et donc, je voulais commencer par adresser ce thème ou ce concept avec vous en début de présentation, en posant la question, qu'est-ce qu'un humain augmenté? Et je commence par un exemple, peut-être qui n'est pas le premier auquel vous auriez pensé, qui est la photo de cette jeune dame. D'après vous, est-ce que c'est un humain? Est-ce que c'est une humaine augmentée? Oui, pourquoi? Elle porte des lunettes, hein, donc elle porte un dispositif artificiel, qui est d'ailleurs un dispositif médical, donc qui doit être certifié CE, qui doit être conforme à la législation européenne sur les dispositifs médicaux, qui lui permet de corriger un handicap. Et pour les nombreux porteurs de lunettes dans la salle, vous savez combien c'est utile d'avoir ce dispositif artificiel qui nous augmente, en tout cas qui nous normalise, qui nous corrige pour bénéficier d'une vision relativement confortable. Donc je commence évidemment par cet exemple pour montrer que la frontière entre la réparation, l'augmentation, la correction d'un handicap, elle est beaucoup plus floue que ce qu'on pourrait ne croire à première vue, et elle n'a pas attendu la robotique pour se poser, évidemment. Une paire de lunettes n'est pas un robot, je vous expliquerai ce qui pour moi est un robot et ce qui ne l'est pas.
une paire de lunettes n'est pas un robot, mais permet évidemment de déjà poser la question de savoir en quoi un dispositif artificiel d'ingénierie, puisque pour développer une paire de lunettes, il faut quand même avoir quelques notions de physique et d'optique, en quoi est-ce qu'un dispositif artificiel peut, au travers d'une transformation du corps, d'une réparation du corps, également être un dispositif d'augmentation. Et qui sait si cette paire de lunettes ne permet pas, en plus, à cette dame de voir sous les vêtements ou d'avoir accès à votre profil sur Facebook. Et là, on rentre plus dans le domaine de la science-fiction, mais pas tellement. Est-ce que ce sont des humains augmentés ? Il y en a qui me répondent, non, ce sont des humains diminués. Je vois ce qu'ils veulent dire. Ce sont des humains augmentés parce qu'ils ont en fait une extension de cerveau dans leurs mains, un dispositif qui est capable de calculer beaucoup plus vite qu'eux, de donner accès à presque toute l'information mondiale en quelques fractions de secondes, de communiquer peut-être avec leurs voisins ou leurs voisines, mais aussi de communiquer dans le monde entier. Et donc évidemment, la technologie auquel on est confronté aujourd'hui au travers, par exemple, des téléphones portables, c'est une forme d'augmentation. Moi, je dis souvent à mes étudiants ou à mes enfants, quand c'est dans mon agenda, c'est plus dans ma tête. Hein, quand on me demande, ah, c'est quand en fait notre rendez-vous, ou est-ce que tu sais venir avec moi à tel truc, je dis, bah, si je l'ai noté dans mon agenda, oui, mais j'ai oublié. Hein, parce que voilà, ma mémoire c'est adapté, c'est déformé au fait que parce que je note quelque chose dans mon téléphone, j'ai plus besoin de le retenir. Je sais où je peux aller accéder à l'information, donc je n'ai plus besoin de retenir l'information dans mon cerveau. Donc c'est une façon d'être augmenté, évidemment. Alors on se rapproche un petit peu plus de notre thème. Est-ce que ce monsieur est augmenté d'après vous ? Là, la question ne se pose pas, évidemment. C'est quelqu'un qui a perdu ses deux bras ou qui est peut-être né sans bras. En fait, je ne connais pas son histoire personnelle. Et vous voyez qu'il est équipé de bras artificiels, robotisés, extrêmement évolués, extrêmement performants, qui ont l'air même d'être attachés à son corps. Hein. On n'a pas trop de détails sur l'interface physique entre le corps de cette personne et ses robots, mais visiblement, bon, c'est pas un film, c'est une photo, mais visiblement, ses bras artificiels lui permettent de recouvrir une certaine motricité avec des membres supérieurs qui ne sont pas les siens ou qui sont les siens. Voilà, c'est une question déjà un peu délicate, un petit peu non évidente, on va dire, et qui clairement lui procure une forme d'augmentation. Ceci, vous savez ce que c'est ? C'est la main de quelqu'un, on voit qu'il a une cicatrice, ça vous dit quelque chose ? C'est une puce ? Oui, hein, c'est une puce, il y a des personnes qui implantent une puce dans le creux de leur main, là, qui permet d'ouvrir la porte sans sortir ses clés, ou de faire démarrer sa voiture, voilà, c'est l'avenir, paraît-il. Bon, c'est une forme d'augmentation, évidemment, on s'incorpore la technologie à l'intérieur du corps, et là je vais en parler parce que ça concerne aussi le domaine de la robotique, on incorpore la technologie à l'intérieur du corps pour disposer de fonctionnalités que le corps naturel, biologique, ne permet pas de réaliser. Donc ça, c'est le scanner de la main. Vous voyez, ça ressemble à un petit grain de riz qui se trouve sous la peau, dans les muscles, et qui permet donc d'être électronifié, si je peux dire, bionisé à l'aide de cette puce. Un autre exemple qui ressemble un petit peu à celui-ci, hein, qui est lié également au monde du handicap, c'est une personne ici en chaise roulante, tétraplégique, qui n'a plus l'usage de ses membres, mais qui, à l'aide d'un robot qui, cette fois-ci, ne remplace pas son corps, mais assiste son corps handicapé, ben, par exemple, arrive à remanger de façon plus ou moins autonome grâce à ce dispositif. Et enfin, je termine par un autre exemple qui est finalement une extension de ces deux-ci. Là, on est vraiment dans la notion d'augmentation, c'est l'idée de membres surnuméraires. Hein. Donc, on pourrait s'équiper d'un sac à dos duquel dépassent deux bras, et qui, deux bras robotisés, donc deux machines, qui nous donnent en fait quatre mains, quatre bras, et qui nous permettent de manipuler les objets, de travailler avec plus de membres que ce que la nature nous en a doté. Et c'est un exemple intéressant parce qu'en fait, il y a pas mal de projets de recherche motivés par des questions industrielles autour de cette augmentation des membres. Il n'est pas spécialement question d'équiper des personnes pour être augmentées de façon permanente, mais dans certains contextes industriels, par exemple, l'exemple que je retiens toujours plus facilement, c'est les travailleurs qui doivent visser des plaques sur le toit des avions. Et donc c'est une posture qui est très inconfortable parce qu'il faut tenir les plaques en l'air, ou les personnes qui travaillent dans le plafonnage, par exemple, des plaques assez lourdes et puis il faut venir les visser, et donc ce sont des tâches qui sont assez difficiles d'un point de vue physique, en fait, hein, d'un point de vue ergonomique, et on pourrait imaginer que ces personnes soient équipées de deux bras robotisés qui tiennent la plaque et puis qu'eux n'aient plus qu'à venir la visser au plafond. Donc il y a eu des projets, il y a encore des projets de recherche
dans ce domaine. Donc voilà, je pose ici un petit peu le décor autour de cette question de qu'est-ce qu'un humain augmenté, et qu'est-ce qu'un humain augmenté particulièrement dans le domaine de la robotique, qui est celui qui m'intéresse. Mon collègue René Rezoazi abordera peut-être une question avec le point de vue de la génétique, de la biologie la semaine prochaine. Moi, je m'intéresse évidemment ici au domaine qui est le mien, qui est celui de la robotique. Alors évidemment, la deuxième question que je vais vous poser de façon assez immédiate pour poser le contexte, c'est qu'est-ce qu'un robot ? Probablement que certains d'entre vous ont pensé à ceci quand je demande qu'est-ce qu'un robot ? C'est une machine artificielle conçue par l'homme qui a une caractéristique fondamentale, et moi j'y tiens beaucoup quand on parle de la robotique, c'est qu'elle est capable de produire du mouvement. D'accord ? Donc il y a vraiment cette notion physique d'interaction avec le monde au travers du mouvement, que ce soit avec des mains, avec des pieds ou avec des organes, des terminaux qui ne ressemblent pas aux membres humains, mais il y a cette notion de mouvement. Certaines personnes disent ou appellent, par exemple, les ordinateurs qui placent des ordres en bourse, etc., on appelle ça des robots. Ça ne rentre pas dans ma définition. Pour moi, cette notion d'interface physique est vraiment indispensable, et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Il y en a peut-être qui ont pensé à ça aussi, parce qu'un robot, évidemment, ça excite pas mal l'imaginaire. La science-fiction nous aide beaucoup à ça, hein, donc de machines qui vont prendre le pouvoir, qui vont nous remplacer, qui sont plus intelligentes que nous, qui vont conquérir la Terre, voilà. Bon, on a vu que ces derniers temps, il n'y a pas besoin de robots pour se faire la guerre, mais ça fait partie de l'imaginaire collectif, beaucoup aidé par la science-fiction, les livres, les films sur le domaine, d'imaginer donc des robots comme étant des choses dangereuses. Et puis il y en a peut-être qui ont pensé à ça. Donc là, on est vraiment dans le contexte médical. C'est un robot chirurgical. Alors, ce n'est pas un robot qui peut opérer les patients seuls. Il est commandé ici par un chirurgien, en fait, qui pilote les bras de ce robot sur une console, mais il permet d'aller accéder, en fait, à l'intérieur du corps de la personne opérée de façon beaucoup moins invasive que si le chirurgien avait dû ouvrir tout le ventre pour aller faire sa chirurgie. Puisqu'avec un robot comme celui-ci, et ça, ce n'est pas de la science-fiction, c'est un robot qui est utilisé de façon quotidienne dans certains hôpitaux, hein, il s'appelle le Da Vinci, c'est le plus connu dans la robotique chirurgicale. On va aller faire 3-4 incisions sur l'abdomen, donc de façon beaucoup moins invasive que la chirurgie classique. On va rentrer ses bras, certains de ses bras portent une caméra pour aller voir à l'intérieur, d'autres portent l'outil chirurgical qui est commandé par le chirurgien pour aller effectuer l'opération dont il est question ici, peu importe. Ce genre de dispositif est utilisé en routine clinique. J'insiste bien, ce n'est pas un robot autonome, hein, il n'opère pas le patient seul, c'est un médecin qui le pilote, mais il augmente le médecin en fait, pour aller effectuer un acte chirurgical, un geste chirurgical qu'on ne pourrait pas effectuer de façon aussi peu invasive dans des conditions normales. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant, hein, pour l'anecdote, ce n'est pas qu'un produit d'appel pour les hôpitaux pour faire leur publicité, c'est intéressant parce qu'en règle générale, moins on ouvre, plus les risques d'infection sont limités et donc on peut espérer que le patient sortira de l'hôpital plus vite s'il a pu bénéficier de cette chirurgie minimale invasive que s'il y avait eu une opération plus complète. Dernier exemple, enfin, qui fait évidemment la synthèse entre les deux, et dont j'ai déjà un petit peu parlé au travers des exemples précédents. Je suis désolé pour la qualité de la vidéo qui est un petit peu saccadée. Donc, dernier exemple, c'est le robot qui remplace une partie du corps ici, plutôt du membre inférieur. Hein, c'est un robot prothèse ici, qui remplace la cheville et le pied d'une personne amputée, et qui illustre de façon extrêmement visuelle qu'aujourd'hui, hein, donc ce n'est pas un film qui est fabriqué de façon artificielle, il a vraiment été acquis dans notre laboratoire du contrôle moteur à l'UCLouvain, c'est un film qui montre que dans certains exemples, il y a vraiment une intimité en fait, entre le robot et l'utilisateur humain, il y a une fusion des corps, il y a une fusion... Il y a une limite qui s'efface, ou en tout cas qui se touche, entre la machine, le dispositif artificiel et l'humain. Je reparlerai un petit peu de cette prothèse plus tard dans ma présentation, et j'expliquerai en quoi je considère que c'est un robot et non pas une prothèse classique. Alors pourquoi est-ce qu'il est pertinent de parler tout ça aujourd'hui ? Parce qu'on est un petit peu à un carrefour technologique. On a un moment de l'histoire, et de l'histoire des sciences en particulier, où plusieurs disciplines atteignent un niveau de maturité qui fait que parler de la notion de transformation de l'humain, d'augmentation de l'humain,
est une question qu'on a le droit de se poser. Donc où ce n'est plus que de la science-fiction, où il y a vraiment des projets qui atteignent un niveau de maturité tel que les questions ont du sens. Et c'est le fameux carré magique d'Encke, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Les nanotechnologies, donc les technologies de plus en plus petites, de plus en plus miniaturisées, qu'on peut donc ingérer, on peut manger des machines maintenant, qui pourraient aller faire des choses à l'intérieur de notre corps, ne fût-ce que d'aller prendre des images, par exemple, pour voir si on a un problème à l'estomac, à l'intestin, ou que sais-je. Les biotechnologies, donc tout le développement de la biologie, dont l'orateur de la semaine prochaine parlera certainement plus que moi. Les sciences cognitives, donc la compréhension des neurosciences, de la façon dont fonctionne le cerveau, et dont le cerveau contrôle, par exemple, les mouvements du corps, et ça, je vais en reparler moi pas mal aujourd'hui parce que ça me concerne directement, et puis bien sûr ce qui me concerne surtout c'est l'informatique, donc le développement de technologies de calcul, de traitement de l'information de plus en plus rapide, de plus en plus puissante et qui permettent de faire des choses de plus en plus avancées. Il y a l'aspect matériaux peut-être qui n'est pas bien capturé ici et qui simplement révèle le fait que quand on parle de moteurs, de capteurs, de batteries, de microprocesseurs, les technologies sont de plus en plus petites, donc on peut de plus en plus facilement envisager de les embarquer dans un dispositif qui serait porté sur le corps. Et donc cette convergence technologique permet aujourd'hui de façon tout à fait concrète d'envisager la transformation de l'humain. Il y a même un courant de pensée qui prône cette transformation de l'humain, c'est le transhumanisme ou le post-humanisme dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc transformer l'humain pour le réparer, pour l'augmenter, pour le remplacer éventuellement, et qui ouvre évidemment un champ d'investigation à la fois technologique, mais aussi éthique et légale, de plus en plus concret, de plus en plus tangible. Et je pense que c'est l'objet de ce cycle de conférences dans son ensemble. Alors mon domaine de recherche à moi et donc celui de mon équipe à l'UCLouvain, Louvain, c'est ce domaine-là, c'est le domaine qu'on appelle parfois celui de la biorobotique ou bien de la bionique, il y a une série de synonymes, donc c'est la rencontre entre les sciences biologiques et les sciences robotiques et l'interaction que ces deux sciences peuvent avoir l'une avec l'autre. Ce qui nous amène à nous poser deux questions assez immédiates, qu'est-ce que la biologie peut bien apporter à la robotique et qu'est-ce que la robotique peut bien apporter à la biologie ? Bon, la première question, pour moi, elle est assez facile à répondre. Qu'est-ce que la biologie peut apporter à la robotique ? C'est une source d'inspiration, en fait, hein, d'abord, pour les roboticiens. Quand on voit la qualité du vivant, et en particulier dans sa capacité à produire du mouvement, quand on voit la vitesse à laquelle court le guépard, l'agilité de l'écureuil, l'efficacité de l'oiseau, hein, qui peut traverser, dont certaines espèces peuvent traverser les océans sans se nourrir, donc en ayant juste leur énergie embarquée pour leur vol migratoire. Bref, quand on admire le vivant, en fait, c'est d'abord une source d'inspiration pour le roboticien. On se dit, est-ce que moi, je serais capable de faire un robot qui pourrait faire la même chose, avoir les mêmes performances ? Donc ça, c'est vraiment le domaine de la robotique bio-inspirée. Je m'inspire du vivant, je m'inspire de la biologie pour faire une machine qui est capable de reproduire certaines de ses performances, en particulier dans la dextérité motrice. Qu'est-ce que la robotique peut apporter à la biologie ? Ça, c'est une question peut-être un petit peu plus difficile à répondre, mais pour laquelle je crois qu'une réponse existe. En fait, le roboticien apporte aux biologistes des nouveaux outils. Le robot peut devenir une plateforme, un outil, un objet, sur lequel le biologiste peut tester certaines des questions qu'il se pose dans le cadre de sa recherche scientifique. Et par exemple, je vais donner un exemple un petit peu grossier, un petit peu simplifié, mais on pourrait imaginer que si je veux faire une expérience sur la locomotion du chat et voir comment le chat s'adapte si on lui coupe une patte, ben c'est plus sympa de faire ça sur un chat robot dont il suffit de retirer la patte et puis après on peut même la remettre si on veut, que de faire ça sur un vrai animal avec toutes les questions éthiques sur le bien-être animal que cela soulève naturellement. C'est un exemple un peu carré, mais vous comprenez un peu cette idée de dire le robot devient un média sur lequel une partie de l'expérimentation du biologiste peut être effectuée. Et ça, c'est le domaine de la biorobotique. Alors, qu'est-ce qui est commun, finalement, à l'animal et au robot ? J'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est cette notion du corps. Donc ça, c'est vraiment important. Le mouvement qui passe par le média du corps. Et ça, c'est un schéma que j'aime beaucoup. S'il y avait eu un tableau, j'aurais redessiné au tableau pour vous le remontrer pendant quelques instants de la conférence. C'est un schéma qui montre, en fait, que dans le vivant, chez le vivant, l'interaction entre le cerveau, donc on pourrait dire l'ordinateur, hein, ce qui calcule, ce qui est le réceptacle de la connaissance, de la mémoire, de l'identité,
Donc l'interaction entre notre cerveau, notre ordinateur, et le monde, l'environnement, ne peut se faire que par la médiation du corps, par la médiation de notre corps. À la fois au niveau du mouvement, donc la façon dont on interagit avec l'environnement va toujours se faire au travers d'un mouvement, même le fait maintenant que je sois en train de vous parler, ça requiert que je mette en mouvement ma mâchoire, ma langue, mes cordes vocales, etc. Donc le mouvement est le canal nécessaire pour interagir avec l'environnement et pour recevoir des informations de l'environnement. Donc, tout ce que je reçois comme information de mon environnement, je vois si vous m'écoutez, si vous ne vous endormez pas, si vous n'avez pas l'air d'avoir ni trop chaud ni trop froid, j'entends peut-être une porte qui claque ou une fanfare militaire et je me demande si on va être envahi avant la fin de ma conférence. Tout ce que je perçois de mon environnement passe par mon corps, d'accord ? C'est mon corps qui est, de nouveau, le média de mes sens. Et ça, c'est vraiment très important pour le roboticien, parce qu'un robot, c'est ça aussi. Un robot, certes, c'est un ordinateur, les robots sont équipés d'un ordinateur, mais ce n'est pas que un ordinateur, c'est un ordinateur qui interagit avec son environnement par la médiation du corps. Et c'est évidemment très, très important pour nous. Et ça va même plus loin, parce qu'en fait, quand on regarde un petit peu les travaux en neurosciences, il se pourrait même que le mouvement, donc la capacité de générer un mouvement, de se déplacer, soit la source de l'intelligence. Parce que quand on regarde l'évolution, en fait, la théorie de l'évolution des espèces, on constate que les premières espèces qui ont été dotées d'un système nerveux, donc d'un ersatz de cerveau, si vous voulez, d'un début de cerveau, d'un réseau de neurones, pour utiliser un mot un peu à la mode, les premières espèces qui ont été dotées d'un système nerveux, ce sont celles qui ont eu, pour la première fois dans l'histoire de l'évolution, le besoin de bouger, le besoin de se déplacer, souvent pour se nourrir ou pour échapper à des prédateurs. Hein, manger ou être mangé, c'est la loi de la jungle. Donc l'émergence du système nerveux dans l'évolution, donc on va dire de l'intelligence, de première forme de cerveau, c'était pour bouger, pour se déplacer, pour exécuter un mouvement. Et de même que là où on a pu, sur les espèces, voir l'émergence d'un vrai cerveau, donc d'un réseau de neurones capable de faire des calculs, de prendre des décisions, d'avoir une certaine forme de mémoire, c'est ce qui caractérise notre cerveau, eh bien, ce sont chez les animaux qui, en premier dans l'histoire de l'évolution, ont été amenés à bouger de façon intelligente. Donc soit pour s'échapper, pour survivre, soit pour se nourrir, pour survivre aussi, pour chercher des proies. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est un fait assez intriguant de se dire que, en fait, ce mouvement, qui est vraiment la caractéristique essentielle de la robotique et du vivant, c'est aussi peut-être le terreau de l'intelligence, donc le terreau de tout ce qui a après permis de faire tout ce que nous sommes capables de faire avec notre cerveau. Alors ça nous amène évidemment au domaine de la locomotion, donc du mouvement pour se déplacer dans l'espace, qui chez les animaux et chez l'humain est toujours basé sur le même principe, force, action, réaction. Hein, donc Newton, qui n'a rien inventé, une force qu'on applique sur l'environnement, se répercute sur nous-mêmes de direction opposée et d'amplitude égale. Et c'est par cette force, donc c'est quand je m'appuie sur le sol, que j'applique une force sur le sol, que je peux accélérer mon corps, force égale masse fois accélération, je peux accélérer mon corps et donc me déplacer. La seule différence, c'est que certains animaux et l'humain prennent plutôt appui sur un média solide, hein, le sol en particulier, quand on marche. D'autres animaux vont plutôt prendre appui sur un média fluidique, de l'eau ou de l'air, mais c'est toujours le même principe. Un poisson qui nage, un oiseau qui vole ou un insecte qui vole, il prend appui sur son environnement afin de créer une force qui lui permet de se déplacer, donc de changer, en fait, d'accélérer son centre de masse. Et donc il y a d'autres éléments importants dans la locomotion sur lesquels je resterai assez évasif pour ne pas trop faire exploser mon temps de parole. C'est la notion de produire des oscillations coordonnées. Donc marcher, se déplacer, c'est toujours en fait effectuer un mouvement répété. Et quand on y pense, en fait, on n'a pas besoin de trop y penser à générer ces mouvements quand on se déplace. Donc ce sont des mouvements assez primitifs qui sont codés de façon assez profonde dans notre système nerveux central. Et de nouveau, la notion de corps, elle est très très importante, puisque ce n'est sans doute pas un hasard que les espèces, dont la nôtre, aient évolué vers ce vers quoi elles ont évolué d'un point de vue morphologique, puisque la morphologie du corps, de chacun des animaux et de l'humain qui est représenté sur ce dessin, elle sert quelque part
à optimiser, c'est un gros mot pour les ingénieurs, optimiser, parce qu'on cache là derrière beaucoup de choses, elle sert quelque part à optimiser la façon dont on interagit avec notre environnement en vue de se déplacer, donc afin de produire ces forces de déplacement. J'ai presque une demi-heure que je parle et j'ai terminé mon introduction, je vais donc pouvoir maintenant rentrer dans le corps du sujet, pardon pour ce mauvais jeu de mots, donc dans le cœur du sujet, pardon, et donc cette question d'augmentation, de réparation, de transformation de l'humain, et je vais l'aborder donc en trois phases: réparer l'humain, augmenter l'humain, remplacer l'humain par le robot. Et donc j'ai volontairement une approche assez neutre d'un point de vue... Je vais établir une certaine progressivité entre ces trois thématiques, mais je vais surtout parler de la première. Donc, ne paniquez pas si vous voyez que je parle longtemps sur la première, vous n'êtes pas là jusque minuit. Je vais surtout parler de la première étape, donc la réparation du corps humain. C'est aussi parce que c'est celle qui m'occupe principalement dans mes projets de recherche, et puis je serai beaucoup plus rapide sur les deux suivantes, et je vous laisserai peut-être un petit peu sur votre faim, mais ça vous donnera envie d'en savoir plus. Bien sûr, ce qui est très intéressant, c'est que la frontière n'est pas floue entre ces trois domaines. C'est ça qui est drôle, évidemment, parce que c'est là que les belles questions émergent. Et j'espère que mes collègues qui sont juristes ou philosophes, éthiciens, aborderont ces questions aussi dans leur exposé. Un avantage, quand on parle le premier, c'est qu'on ne répète rien de ce que les autres ont déjà dit, mais j'espère qu'ils répéteront ces questionnements-là avec leur œil d'expert respectif, évidemment. Parce que c'est très amusant de voir qu'en fait la frontière entre ces trois domaines, elle n'est pas du tout nette, elle est très floue. Donc on commence par réparer l'humain. D'abord, est-ce qu'il a fallu attendre la robotique pour réparer l'humain ? Ben non, évidemment. La médecine n'est pas une science qui a été découverte par la robotique, bien au contraire. C'est une science presque aussi vieille que l'humanité, finalement. L'homme a toujours cherché à se soigner, à utiliser sa connaissance pour se soigner. Vézal, il est assez connu des médecins, des biologistes, parce que c'est un des premiers qui a découpé les corps, en fait, pour regarder comment ça fonctionnait à l'intérieur, hein, pour essayer vraiment d'avoir cet œil de l'ingénieur qui fait du reverse engineering du corps humain pour comprendre comment il fonctionne. Et moi, j'aime bien aussi montrer un exemple qui est beaucoup plus vieux que lui, qui date plus ou moins de 1000 ans avant notre ère, d'une première trépanation. En fait, c'est un crâne qu'on a retrouvé dans un tombeau inca, où très clairement, il y a eu une tentative de médecine sur le cerveau. On voit qu'il y a eu une action artificielle, on va dire, sur l'os de ce crâne. L'histoire ne dit pas si la chirurgie a fonctionné ou pas, ce n'était pas écrit à côté du corps, mais voilà, ça montre bien que déjà, il y a 3000 ans de ça, on cherchait quelque part à comprendre pour réparer le corps. Alors, le cas qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est celui de ma recherche, de mon équipe de recherche, c'est celui de la prothèse bionique. Donc, est-ce qu'on peut concevoir un robot qui va remplacer le membre, supérieur ou inférieur, d'une personne amputée, d'une personne qui a subi une amputation, en vue de lui restaurer une fonction motrice plus ou moins intacte, plus ou moins similaire à celle de la norme. Alors, j'ai mis ici deux définitions extraites de Wikipédia. Je suis comme les étudiants, quand je cherche quelque chose, je vais voir sur Wikipédia. Je les ai laissées en anglais, pardon pour ça, mais c'est, je pense, quasiment la seule phrase en anglais dans mon slideshow. Donc, je les ai laissées simplement par respect pour la source, puisque j'avais été voir Wikipédia en anglais. Donc, une prothèse, c'est un dispositif artificiel qui remplace une partie du corps qui n'est plus là, qui a disparu, qui est manquante, et qui a pu être perdue à cause d'un trauma, d'un accident, d'une maladie ou d'une condition présente à la naissance. Donc on va évidemment retrouver aussi des organes artificiels dans cette définition de prothèse, mais moi, celui qui va m'intéresser, enfin, le domaine prosthétique qui va m'intéresser, c'est celui de du remplacement du membre. Et la bionique, c'est un mot que j'utilise aussi beaucoup, c'est un mot un peu composé entre biologie et électronique. C'est l'application des méthodes biologiques, hein, on revient à cette notion de bio-inspiration, des méthodes et des systèmes biologiques qu'on trouve dans la nature à des objets de conception d'ingénierie, de design d'ingénierie en vue de faire de la technologie moderne. Et donc pour moi, qu'est-ce que c'est une prothèse bionique et qu'est-ce qui la différencie d'une prothèse classique ? Eh bien, c'est une prothèse qui doit comporter au moins un des quatre éléments suivants. Un actionneur, un moteur, si vous voulez, donc un muscle artificiel, quelque chose qui va être capable de produire un mouvement de façon artificielle sans qu'il y ait eu une action enclenchée par l'utilisateur, donc un moteur électrique par exemple, des capteurs, donc de nouveau, des dispositifs artificiels qui vont
capter de l'information de l'environnement, alors pas spécialement aussi sophistiqué qu'un œil, hein, mais ça peut être simplement capter une force de contact quand il y a touché avec le sol, ça peut être capter un mouvement, capter un déplacement, donc ils vont mesurer quelque chose sur l'environnement. Éventuellement des électrodes, donc ça on va en reparler, c'est pas du tout nécessaire, mais ça se voit dans certains projets, donc des dispositifs qui vont être capables d'aller enregistrer, voire même stimuler le système nerveux de l'utilisateur, donc d'aller mesurer une information nerveuse ou stimuler un nerf sensoriel, plutôt dans ce cas-là, de l'utilisateur. Et bien sûr, un ordinateur, ou un mot un peu plus savant pour dire la même chose, un microprocesseur, c'est-à-dire une unité de calcul, finalement, qui est capable de traiter ces informations et de produire l'information nécessaire. Et on continue en musique. Alors, est-ce que l'amputation est un besoin sociétal prégnant ? Oui, quand même. On estime qu'il y a plus ou moins 2 millions de personnes qui vivent avec un membre en moins. Alors, l'amputation peut être faite à différents niveaux, mais donc 2 millions de personnes amputées aux États-Unis, à peu près 185 000 qui subissent une amputation chaque année. C'est un nombre qui est en augmentation parce que malheureusement, dans les pays développés, la plupart des amputations, surtout du membre inférieur, sont la cause de maladies cardiovasculaires telles que le diabète. Donc malheureusement, comme le diabète augmente dans la société, ben, par effet domino, le nombre d'amputations augmente aussi. On estime qu'il y a à peu près 1 million d'amputations chaque année dans le monde, cette fois-ci, donc à peu près 5 fois plus qu'aux États-Unis. Voilà, ici j'avais des données américaines. Et de nouveau, à cause du fait que la plupart en fait, des causes d'amputation sont des causes plutôt cardiovasculaires, la plupart sont du membre inférieur, donc là où les problèmes cardiovasculaires sont les plus prégnants, on va dire. Et donc, il n'y a pas 1000 solutions pour restaurer une fonctionnalité motrice à une personne amputée. On ne peut pas encore faire repousser les membres, peut-être qu'un jour ça arrivera, mais la solution que le marché propose aujourd'hui, que l'état de l'art propose aujourd'hui, c'est une prothèse. Donc c'est de remplacer le membre disparu par un objet artificiel. Alors, quels sont les enjeux des prothèses bioniques ? Donc je vous répète, une prothèse bionique, c'est une prothèse robot, c'est-à-dire une prothèse qui a cette capacité de générer un mouvement de façon, j'allais dire autonome, c'est un mot dangereux, mais de façon en tout cas mécaniquement artificielle, d'accord ? Donc c'est pas simplement une lame en carbone sur laquelle on pousse et qui va nous restituer de l'énergie quand on va relâcher la poussée, c'est une prothèse qui est vraiment capable de fournir une énergie mécanique que l'utilisateur ne lui a pas injectée. Alors quels sont les enjeux aujourd'hui du domaine ? Qu'est-ce qui motive les projets de recherche dans le domaine ? C'est évidemment l'objet lui-même. C'est un bel objet d'ingénierie, en fait, une prothèse bionique, puisqu'il faut intégrer dans un espace assez petit des composants assez complexes d'un point de vue technologique. C'est la connexion physique. Là, je vais en reparler tout à l'heure. Donc la connexion physique entre l'utilisateur et sa prothèse, ce qu'on appelle le FU, parfois dans le jargon de l'amputation. C'est le contrôle et l'apprentissage du mouvement, donc c'est apprendre à la personne à utiliser sa prothèse, hein, et on commande de la prothèse, que la prothèse fasse ce que la personne souhaite. Et c'est éventuellement le retour sensoriel, parce que ça c'est une notion que j'ai déjà abordée de façon implicite, pas encore explicite dans mon exposé, mais nos membres permettent aussi de sentir des choses avec l'environnement. Quand je touche un objet, là, Simon pourra vous en dire plus que moi, quand je touche un objet, je vais le serrer avec une certaine force afin qu'il ne glisse pas de mes doigts, mais je ne vais pas le serrer trop fort non plus parce que je n'ai pas envie de me fatiguer et je n'ai pas envie de le casser. Donc c'est par le sens du toucher qui passe par le bout de mes doigts que je peux interagir avec certains objets. Et évidemment, si j'avais plus de bras et que je voulais faire cette action avec une prothèse aussi sophistiquée soit-elle d'un point de vue moteur, ben, si je perds cette information sensorielle, je perds ma capacité d'interagir avec l'objet. Hein. Donc cette notion de retour sensoriel, on va en parler un petit peu aussi. Alors, premier enjeu, l'objet lui-même, les prothèses bioniques, est-ce que ça existe ? Oui, ça existe. Il y a beaucoup de projets de recherche qui en mettent au point, qui en développent. Ça se fait soit dans des laboratoires universitaires comme le mien, mais on en voit aussi qui commencent à atterrir sur le marché, c'est-à-dire qu'une personne amputée peut vraiment acheter, hein, peut vraiment utiliser dans la vie de tous les jours. Il y a deux sociétés qui dominent vraiment ce marché, c'est Ottobock et Össur, et c'est intéressant parce que ce sont deux sociétés européennes, Össur est islandais, donc on peut dire que l'Islande est en Europe. Ottobock est une société allemande, donc deux sociétés européennes qui dominent le marché et qui commencent à mettre sur le marché ces prothèses donc équipées d'un moteur. Hein, vous voyez qu'elles sont un petit peu plus grosses que des prothèses classiques telles qu'on pourrait en imaginer ou qu'on en a peut-être déjà vu dans la rue, dans la vie de tous les jours, équipées d'un moteur et donc capables de fournir de l'énergie à l'utilisateur. Alors,
Dans un laboratoire de recherche comme le mien, on développe en particulier une prothèse pour le membre inférieur, une prothèse de cheville, avec comme objectif de répondre à un ensemble d'éléments de ce qu'on appelle un cahier des charges, c'est-à-dire de ce qu'on voudrait que la prothèse dispose comme propriété afin d'être intéressante d'un point de vue fonctionnel. Il faut qu'elle soit la plus légère possible, les personnes amputées n'aiment pas porter quelque chose de lourd sur leur moignon, il faut qu'elle soit autonome, c'est-à-dire qu'il ne faut pas la recharger toutes les 5 minutes, sinon personne n'aura envie d'utiliser. Il faut qu'elle ne soit pas trop chère, évidemment, parce que ces technologies doivent être financées bah, soit de la poche des utilisateurs, mais aussi par la sécurité sociale. Et c'est fort heureux, évidemment, que dans des pays comme le nôtre, la sécurité sociale puisse prendre en charge ce genre de coûts. Mais la sécurité sociale n'est pas infiniment riche et donc nous demande de produire des technologies qui sont abordables. L'apparence est importante aussi pour certaines personnes amputées. Il ne faut pas que la prothèse fasse trop de bruit. Hein. Si la prothèse fait le même bruit qu'une tondeuse, aussi sophistiquée soit-elle, il n'y a personne qui aura envie de la porter pour se promener dans la rue. Donc il y a cette notion d'apparence, d'esthétique, de confort qui est très importante aussi. Et donc pour passer de la jambe de bois à la prothèse idéale, il faut essayer de rencontrer ces quatre notions-là, ces quatre domaines-là. Et donc, ça fait plusieurs années maintenant qu'on travaille sur ce sujet. Ça a été commencé en particulier par un doctorant de mon équipe qui s'appelle François Leroman, c'est qui a défendu sa thèse en 2019, et qui nous a mené vers la prothèse ELSA, qui répond justement à cette notion de bio-inspiration. Donc on s'est inspiré, si vous voulez, de l'anatomie du pied humain, en tout cas d'un point de vue vraiment systémique, d'un point de vue macroscopique, d'un point de vue conceptuel, pour reproduire dans un dispositif artificiel les mêmes propriétés, les mêmes fonctionnalités qu'un pied humain, c'est-à-dire la capacité de fournir de l'énergie, alors non plus avec un muscle, mais avec un moteur électrique, et la capacité de stocker de cette énergie, non plus avec un tendon, mais avec un ressort qu'on peut activer ou désactiver. Et c'est un projet qui a la chance de continuer à vivre. On est vraiment très heureux de pouvoir continuer à faire vivre ce projet, entre autres grâce à un financement collaboratif qu'on a obtenu avec une entreprise qui est très active dans le domaine des prothèses. Et on a développé maintenant donc une version plus avancée d'ELSA qui nous a permis de réaliser des validations expérimentales avec, pour la première fois, des sujets amputés. Alors, je vois qu'il y a certaines de mes vidéos qui se sont bloquées. Je vais essayer de les relancer, si j'y arrive en tout cas. Il y a quelques mois de ça, les vidéos que je vous montre, elles datent du mois de mars, on a pu aller tester au laboratoire, avec des personnes amputées, le fonctionnement de la prothèse. Alors ici, vous voyez, on peut marcher sur sol plat, on peut marcher sur sol incliné, on peut marcher sur l'escalier. Et ce qui est marrant avec la vidéo ici, c'est que la personne nous a demandé, tiens, est-ce que je peux essayer de marcher, de prendre deux marches par deux marches? On a dit, oui, vous êtes sûr, je n'ai pas vraiment fait pour. Allez, essayez quand même. Bon, ça va, la prothèse n'a pas cassé. Elle a tenu bon. Et donc, c'est pas facile à voir, évidemment, parce que dans ce domaine-là, il y a beaucoup de choses qui se sentent, pas vraiment qui se voient, mais c'est une prothèse qui, à chacun des pas, fournit un petit peu d'énergie à l'utilisateur, comme sa cheville le faisait avant l'amputation. Donc, c'est une prothèse qui coche les cases de la prothèse bionique que j'évoquais tout à l'heure, puisqu'elle fournit de l'énergie mécanique à l'utilisateur. Je vous ai parlé aussi de la question de l'interface. Et ça, c'est une question intéressante parce que c'est vraiment la frontière, hein, j'en parlais tout à l'heure. Là où le corps et la machine se touchent, se rencontrent. Et dans le domaine de la prosthétique, c'est évident. Donc, il doit y avoir une frontière, il doit y avoir un contact, il doit y avoir une interface. Et c'est une interface qui est vraiment critique. Parce que la plupart des personnes amputées, en fait, leur zone de souffrance de l'amputation, ce n'est pas la prothèse. Ou ce qui cause les limites de l'utilisation du dispositif, ce n'est pas la prothèse elle-même, c'est cette interface. Parce qu'en fait, classiquement, une interface, c'est quoi ? C'est un moule en fait, qu'on vient mouler sur le moignon et sur lequel on connecte la prothèse. C'est évidemment quelque chose qu'on peut retirer, hein, ça, c'est heureux pour les personnes amputées, mais ce n'est pas du tout confortable, on transpire, il faut maintenir une certaine force de serrage pour que ça ne tombe pas, évidemment. Une personne amputée m'a dit un jour, porter une prothèse de jambe, c'est un petit peu comme marcher avec des chaussures, une pointure trop petite. Donc vous imaginez, voilà, en termes de confort, on peut le faire, c'est tenable, mais c'est pas agréable, quoi. C'est quelque chose qu'on sent de façon continue. Alors la recherche cherche des solutions à ce problème-là, et un concept qui se développe pas mal, c'est celui de l'ostéo-intégration. Donc c'est l'idée de connecter physiquement la prothèse non plus à la peau de l'utilisateur, mais à son squelette, donc d'aller à l'intérieur du corps,
pour y connecter physiquement la prothèse. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on fait ? C'est impossible, le squelette il est sous la peau. Eh bien en fait, on fait sortir une tige en métal, donc ça nécessite une opération, c'est une intervention invasive. On fait sortir une tige en métal qui est vissée dans l'os au niveau de l'amputation, et on la fait sortir au travers de la peau, et en utilisant des matériaux qui sont biocompatibles, la peau vient en fait se cicatriser autour de la tige en métal, ce qui fait qu'on récupère, une imperméabilité, si vous voulez, entre le monde extérieur et le monde intérieur. Alors ça, pour les personnes amputées, ben, ça veut dire que la prothèse, on ne peut plus jamais vraiment l'enlever. Il y a toujours un morceau qui sera là et qui va sortir du corps. Donc je vous parlais tout à l'heure de l'esthétique, du confort, etc. C'est quelque chose qui n'est pas neutre, évidemment. Mais en termes de confort, il paraît que c'est extraordinaire. Donc les personnes amputées, ça marche très fort en Suède, c'est le pays qui est pionnier en matière de séo-intégration. Les personnes amputées, je crois qu'il y en a de l'ordre de 400 aujourd'hui dans le monde, et c'est plutôt des personnes amputées membres supérieurs, qui sont équipées de ces technologies-là, trouvent ça extraordinaire. En termes de confort, c'est infiniment mieux que la technologie classique du fût. Donc, vous voyez évidemment que cette question de la frontière, elle est très prégnante. Hein. On a vraiment la machine qui rentre à l'intérieur du corps. Alors, je vous ai parlé aussi de la question du contrôle. Bon, là, on commence à voir des choses qui sont plus un peu la zone de confort de l'ingénieur. Pardon pour ça. C'est cette question de bloc diagramme, hein, où on aime bien représenter les algorithmes, finalement, qui calculent le comportement d'une machine à l'aide de ce bloc diagramme. Ne vous attardez pas sur les détails, ce n'est pas important. Ce qui est surtout important, c'est de comprendre qu'en fait, pour contrôler une prothèse, ben, idéalement, il faut aller lire une information chez l'utilisateur. Il faut savoir ce que l'utilisateur souhaite faire. Si l'utilisateur souhaite ouvrir sa main, tourner son poignet, ou bien pour la jambe, faire avancer la jambe dans l'espace, pousser sur le pied, que sais-je, il faut lire une information. Et donc cette information, elle peut être acquise soit, en mesurant des choses dans l'environnement, ça marche pas mal pour le membre inférieur, mais pour le membre supérieur, si je souhaite serrer ma main, il n'y a que moi qui peux le dire à la prothèse, hein, la prothèse ne va pas le deviner si je me déplace dans l'espace, par exemple. Donc il faut lire une information sur l'utilisateur, de façon globale, et il faut traiter cette information en vue de réaliser le mouvement souhaité. Et donc ça, c'est une question évidemment assez importante. De nouveau, en imaginant que je dispose d'une commande, peu importe laquelle, qui dise à ma prothèse « je veux fermer ma main pour saisir un objet », ben, encore faut-il que la prothèse sache si je veux le serrer très fort, si c'est un verre, mauvaise idée, ou si je veux le serrer pas trop fort, mais si c'est un verre rempli d'eau, mauvaise idée aussi parce qu'il va glisser. Donc voilà, il y a toute cette question de finesse du mouvement. Et puis, il faut aussi se dire que nous-mêmes, quand on effectue des mouvements avec notre corps, on n'a pas tellement besoin d'y penser. Quand je saisis un verre, je ne dois pas me dire « Ah, attention, je vais déplacer ma main de 40 cm dans l'espace avec un mouvement vers l'avant, vers le bas, et puis je vais serrer mes doigts avec une force de 13,7 N, et puis je vais lever mon verre, ma bouche et l'incliner de 42 degrés pour boire de l'eau. » On ne pense pas en fait à tout ça. Il y a vraiment une intuitivité qui est évidente dans tous les mouvements qu'on effectue, et c'est encore plus vrai avec le membre inférieur. On peut faire tellement de choses en marchant, y compris en marchant dans des environnements assez compliqués, que ça révèle bien à quel point notre cerveau est capable d'effectuer cette tâche sans y penser, de façon automatisée. Et donc, à quel point faut-il penser pour utiliser ses membres, j'ai barré membres, prothèses, ça c'est vraiment une question qui est très très importante pour ceux et celles qui travaillent au contrôle de ces dispositifs. Parce qu'on voudrait, dans le monde idéal, que ces objets qui visent à remplacer une partie du corps qui a été perdue aient la même intuitivité que le corps naturel. Alors, par exemple, hein, le fruit d'un autre travail dans mon équipe de recherche de Sophie Haynes, qui a eu son doctorat en 2021, c'était de nouveau de s'inspirer de la nature. Donc là, on a plutôt travaillé sur le membre inférieur avec une prothèse ou des prothèses qui ont été conçues par des collègues de l'Université flamande de Bruxelles, de la VUB. Donc là, ce n'est pas nous qui avons conçu les prothèses, on a travaillé avec un autre dispositif, mais on a plutôt travaillé sur les aspects du contrôleur en cherchant à s'inspirer du vivant, donc à reprendre des concepts que l'on sait exister chez le vivant, comme par exemple l'élasticité naturelle des muscles, ou bien la hiérarchisation qui existe entre le cerveau et la moelle épinière quand on effectue des mouvements. Donc on s'est inspiré de ces concepts pour travailler sur des contrôleurs de prothèses bio-inspirés qu'on a eu la chance de pouvoir tester sur une personne amputée, même deux en fait. Vous voyez que cette amputation ici n'est pas du même côté, donc ce sont forcément deux personnes différentes, et en plus amputées au-dessus du genou ici, donc avec la complexité qu'il fallait non seulement actionner la cheville, mais en plus actionner le genou. Et puis le Covid est arrivé, donc la dernière version du contrôleur, on n'a pu la tester que sur simulateur, on n'a pas pu aller au labo parce que c'était impossible à ce moment-là. Alors,
Je reprends mon bloc diagramme de tout à l'heure, ce qui me permet maintenant de fermer la boucle, un autre mot du jargon d'ingénierie, fermer la boucle pour parler de cette notion de restitution sensorielle. Mais là, je crois que je vous ai déjà dit tout ce que j'avais à dire là-dessus, c'est qu'une prothèse aussi sophistiquée soit-elle pour les aspects moteurs, hein, imaginez une prothèse qui serait capable de restituer toute la dextérité incroyable qu'on a dans la main avec chacun de nos doigts, si elle n'a pas l'information sensorielle, donc si elle ne permet pas de restituer à l'utilisateur les sens dont on dispose dans nos membres, on sent, entre guillemets, nos doigts qui bougent, même si on a les yeux fermés, on sent la force qu'on applique sur un objet, même sans y penser, sans devoir regarder l'objet. Donc une prothèse qui ne restituerait pas ces fonctionnalités-là ne sera pas complète, ne parviendra jamais à restituer la fonction sensorimotrice, sens et moteur, sensorimotrice complète. Et donc ça nécessite quoi de façon ultime ? Ça ne nécessite plus d'aller lire l'information sur l'utilisateur. Là, je vais parler comme un informaticien. Ça ne nécessite plus d'aller lire l'information. Ça nécessite d'aller écrire de l'information sur le corps de la personne. Donc, autrement dit, de stimuler les nerfs sensoriels, de fournir une information sensorielle artificielle à la personne pour restituer ce que les capteurs biologiques fournissent comme information quand on n'est pas amputé, quand on dispose de ses membres naturels, de ses membres natifs. Alors ça, on peut le faire comment ? On le fait typiquement avec des électrodes, et de nouveau, c'est une technologie qui émerge et qui commence à être de plus en plus proche, enfin, là où la science rattrape la science-fiction. Donc on peut aller... Il y a plein de technologies différentes qui existent, hein, mais en gros, on peut aller connecter les nerfs du corps humain avec des électrodes, donc des capteurs ou des stimulateurs artificiels qui permettent d'aller lire ou écrire une information qui est générée ou qui est à destination du système nerveux. Et ici, vous voyez un transparent qui l'illustre chez quelqu'un qui a vraiment l'amputation complète, hein, les deux mains et les deux jambes, et donc qui illustre quelque part toute cette batterie technologique qui est développée dans les laboratoires afin d'interfacer le corps avec des dispositifs artificiels. Et dans le cas de la prothèse, en particulier du membre inférieur, ça permet aujourd'hui d'avoir des projets qui restituent la sensation de toucher de la plante du pied. Donc ça, c'est très important quand on marche. En fait, de nouveau, on ne s'en rend pas compte, on ne fait pas attention à ça, mais quand on marche, le fait de sentir le sol sous son pied, ça fournit une information qui est très très importante pour la stabilité de la marche, et à commencer pour éviter de tomber. Donc on peut restituer cette information sensorielle, donc on marche avec la prothèse et on sent la semelle de la prothèse qui touche le sol et le mouvement de la semelle qui se fait sur le sol. Ça permet aussi de restituer la sensation de mouvement, la sensation d'effort, donc on va sentir si on pousse plus ou moins, enfin, si la prothèse pousse plus ou moins fort pour propulser le corps. Ce sont des choses qui sont étudiées aujourd'hui. Et ça permet de faire un lien assez incroyable avec cette notion d'océo-intégration dont je parlais tout à l'heure. C'est qu'en fait, le rêve ultime, quelque part, du développeur de prothèses bioniques, c'est de se servir de cette tige qui, rappelez-vous tout à l'heure, rentre dans l'os et sort de la peau pour faire la connexion physique avec la prothèse. C'est de se servir de cette même tige comme d'une autoroute d'information, en fait. Donc de faire passer des câbles à l'intérieur de la tige. On n'est même plus obligé de faire de la technologie sans fil, ce qui est beaucoup plus robuste, croyez-moi. Donc on peut même imaginer que les fils en fait, qui connectent ces électrodes, qui soit stimulent, soit lisent l'information nerveuse, passeraient par l'intérieur de la tige et avec un port USB, clac, on connecte sa prothèse et c'est parti. On peut faire un marathon ou une randonnée dans la montagne. Donc ça, c'est vraiment une solution qui technologiquement est assez incroyable, hein, de nouveau, pour aller effacer cette frontière entre le vivant et l'artificiel, en vue de restituer la fonction sensorimotrice à une personne amputée. Ça nous amène à un concept dont je voulais parler brièvement, qui est celui de l'appropriation corporelle. Je vois que j'ai mis un O de trop, donc l'appropriation corporelle. On appelle ça « body ownership » en anglais, hein, donc le fait de vraiment posséder son corps. Qu'est-ce qui fait partie de mon corps ? Il y a des choses assez évidentes. Est-ce que ceci fait partie de mon corps ? Ben non, pas vraiment, parce que je peux le déposer sur la table et m'en séparer, mais d'un autre côté, quand je m'en sers, c'est vraiment comme si c'était une extension de mon propre corps. Est-ce que ça fait partie de mon corps ? Bon, question vaste. Mais pourquoi est-ce que j'en parle ici ? Ben parce que quelque part, le but ultime du développement d'une prothèse bionique, ce serait que pour l'utilisateur, il
sentent, ils ressentent sa prothèse comme faisant partie de son propre corps. Puisque c'est vraiment par cette médiation du sens et l'exécution de mouvements qu'on définit la frontière entre ce qui fait partie du corps et ce qui n'en fait pas partie. Et donc, puisque je vous ai expliqué qu'il y avait beaucoup d'efforts qui étaient faits pour restituer ces fonctions sensorimotrices, la prothèse pourrait être perçue comme faisant partie du corps. Alors, pas juste pour faire peur, mais vraiment comme étant une condition nécessaire pour que la prothèse remplace de façon efficace le membre qui a disparu. De nouveau, petite pub pour mon domaine de recherche, la bioinspiration, qui est évidemment un vecteur très très important dans ce genre de recherche, puisque pour remplacer, on va d'abord observer et essayer de misérablement recopier ce que la nature nous permet d'observer pour espérer faire, pas dire aussi bien, mais presque aussi bien. Et donc, regardez mon schéma tout à l'heure, que je vous ai montré, je vous ai dit, c'est mon dessin préféré de la présentation. Là, dans ce corps qui est le média d'interaction entre notre cerveau et l'environnement, on pourrait commencer à venir intégrer des dispositifs artificiels comme une prothèse. Dernier mot sur la réparation de l'humain, pour vous parler d'un projet dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, qui brouille un petit peu les cartes par rapport à la perception du handicap, à la notion d'augmentation versus restauration, c'est le Cybathlon. Donc le Cybathlon, ce sont les Jeux Olympiques pour cyborgs. Ça a été organisé pour la première fois en 2018 à Zurich. Il devait y avoir une deuxième édition en 2020 qui a été reportée et puis transformée en quelque chose de plus multicentrique à cause du Covid. Mais peu importe, ici vous voyez en fait des vidéos qui ont été prises lors de la répétition de la première édition. Donc c'est pour ça que les gradins sont vides. Il y a eu un succès fou à l'événement, mais ici ce sont des vidéos de la répétition. Et donc c'était des Jeux Olympiques, vraiment, des épreuves sportives pour des personnes équipées d'une technologie bionique, d'une technologie cybernétique. Et vous voyez, ça va très vite, mais vous voyez qu'il y a des prothèses assez sophistiquées. Il y en a d'autres beaucoup plus simples qui ressemblent juste à des manches de brosse. Et en fait, c'est eux qui ont gagné. Donc c'est ça qui est amusant, c'est que c'est ceux qui avaient les prothèses les plus simples, qui ont gagné, en tout cas au niveau du membre inférieur, qui ont gagné les épreuves. Donc c'est un bel incitant pour continuer la recherche en la matière. Pour le moment, on ne fait pas mieux que les manches de brosse. Voilà. Il y a du travail. Mais bon, voilà, c'est amusant. Et pourquoi je dis que ça brouille les cartes, ça change un peu les frontières, parce que c'est vraiment un type d'événement dans lequel la personne handicapée n'est plus vue comme une personne handicapée, mais vue comme un sportif, en fait, comme un athlète, et comme un athlète qui pilote une technologie qui est très avancée. D'ailleurs, dans le jargon de la compétition, les participants les appelaient les pilotes, ça veut tout dire, dans les mots qui étaient utilisés. Alors, il y avait aussi des compétitions pour les personnes handicapées du membre supérieur, des compétitions pour les personnes en chaise roulante, donc des gens qui pilotent vraiment une chaise roulante, là on peut vraiment dire piloter avec les ondes cérébrales, et donc voilà, il y a tout un tas d'épreuves qui étaient organisées pour les personnes bioniques, en fait, les personnes qui sont augmentées par de la technologie. Alors je vous avais dit que je serais long sur la première partie, beaucoup plus rapide sur les deux suivantes, c'est un choix que j'assume. Donc je vais maintenant vous parler de l'augmentation de l'humain. C'est quoi finalement la différence entre réparer et augmenter? On pourrait dire rapidement que augmenter, c'est chercher à aller au-delà des performances naturelles. Alors vous allez me dire, c'est quoi la performance naturelle? C'est quoi la norme? Ok, c'est des bonnes questions, il faut en débattre, je ne vais pas les résoudre ce soir. Mais donc grosso modo, avoir deux mains, avoir deux jambes, c'est la norme, c'est ce dont sont équipées la plupart des personnes. Donc augmenter, ça pourrait avoir des bras supplémentaires, ou avoir des jambes qui courent 5 fois plus vite. Voilà. Donc là, on quitte le domaine de la réparation du handicap et on rentre dans le domaine de l'augmentation. Et bien sûr, de nouveau, c'est pas nouveau, l'homme a de tout temps cherché à développer des outils qui augmentent ses capacités naturelles. J'ai un ami paléontologue qui m'a parlé tant de fois du biface, qui est ce premier outil que les humains ont développé pour couper la viande de façon plus pratique qu'en la déchirant avec leurs mains, parce qu'on n'a aucune surface tranchante sur notre corps, donc pour couper, il a fallu développer un dispositif artificiel, et voilà, premier couteau qui date cette fois-ci de plusieurs milliers d'années avant notre ère. Le tournevis, un de mes outils préférés, qui date de la fin du 15e siècle, ben oui, parce qu'essayer de visser une vis avec le bout de votre doigt, c'est pas évident, c'est un outil qui nous permet de faire des assemblages mécaniques, de menuiserie, peu importe, des assemblages beaucoup plus sophistiqués que ceux qu'on pourrait faire avec nos mains. Mais la robotique s'invite dans ce débat,
Et ça, c'est par exemple un soldat augmenté. Je ne sais pas s'il y en a dans la pièce à côté, j'espère que non. Enfin, ce n'est pas grave, ils sont les bienvenus. Donc c'est un soldat augmenté qui porte en fait un exosquelette. Donc c'est un robot qui est cette fois-ci extérieur à son corps. Son corps est intact, mais il a un robot qui est autour de son corps. Et c'est un exosquelette qui lui permet simplement de transporter des charges très très lourdes, parce que le poids de son sac à dos est transféré directement dans le sol par l'exosquelette et ne passe plus par sa structure osseuse. Et donc il va pouvoir, sur un champ de bataille, transporter des charges très lourdes, voire éventuellement courir beaucoup plus vite. Alors, l'augmentation, il se pose aussi dans le domaine de la prothèse, c'est assez intéressant. Oscar Pistorius s'est fait connaître pour des choses moins nobles que ses performances sportives dans les dernières années, mais ça reste un bel exemple de cette notion entre le flou qui existe entre la réparation et l'augmentation. Donc c'est une personne qui est née sans jambes, il est né avec une malformation qui fait qu'il n'avait pas de jambes. Je ne sais plus si c'est au-dessus ou en dessous des genoux, je crois qu'il a quand même ses genoux, ses jambes manquent en dessous des genoux, et qui a voulu devenir athlète, donc qui a développé des capacités athlétiques remarquables avec des prothèses. Cette fois-ci, ce ne sont pas des prothèses bioniques, ce sont de simples, avec beaucoup de guillemets, de simples lames en carbone. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il a commencé à courir plus vite que les athlètes valides. Et donc la question s'est posée pour lui de savoir s'il était dopé. Alors non pas dopé aux médicaments, dopé à la chimie, mais dopé mécaniquement, dopé par ses prothèses. Et c'est vraiment une question qui a torturé les comités olympiques au niveau mondial, à tel point qu'ils n'ont même pas été cohérents dans leurs décisions. On lui a interdit de prendre part aux Jeux Olympiques de Pékin avec les athlètes valides, en disant « Mais non, en fait, vous êtes augmenté par rapport à un athlète valide. Vos prothèses vous augmentent. On ne peut pas vous permettre de prendre part à la compétition avec les athlètes valides. » Et puis, pour les championnats du monde d'athlétisme qui ont suivi, je ne sais plus si c'était en 2009 ou en 2010, on a dit « Allez, c'est bon, ok. » On a réfléchi, on a changé d'avis, finalement. Vous pouvez. Et donc, c'est quelqu'un qui a fait des courses avec des athlètes valides. Je crois même qu'il a fait une fois le Memorial Van Damme. Il a atteint des finales. Il n'a jamais eu une médaille. Donc, voilà, le débat n'a pas été jusqu'au point de dire qu'il avait battu tous les athlètes valides, mais il a atteint des finales de championnats mondiaux au niveau athlétisme. Et donc, c'est vraiment une belle question qui brouille de nouveau les cartes entre l'augmentation et la réparation, ici, où quelqu'un de réparer, en fait, est meilleur qu'une personne valide. Et puis évidemment, la question de la réparation versus l'augmentation pose aussi la question de savoir ce qu'est une maladie, ce qu'est un handicap. Est-ce que la vieillesse est une maladie? Est-ce que demain, il est souhaitable que les robots permettent à une personne qui est simplement qui vieillit de façon naturelle, récupère des capacités d'un jeune homme ou d'une jeune dame de 20 ans et puisse aller faire la course avec Usain Bolt et lui mettre 100 mètres dans la vue à l'aide d'un robot qui viendrait décupler ses capacités. Donc voilà, notion réparation, transformation, augmentation, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, très clairement, d'où vient l'argent dans le domaine de l'augmentation de l'humain? C'est de l'armée, et en particulier de l'armée américaine, c'est vraiment le pourvoyeur de fonds, on va dire, de ces projets de recherche. C'est ce que j'appelle les incitants militaires, avoir des soldats qui courent plus vite, qui sont moins vite fatigués, qui peuvent transporter des charges très lourdes, bref, qui peuvent accomplir de façon plus efficace leur mission. C'est un incitant très fort de la technologie de la robotique d'augmentation, et je vous ai montré un exemple tout à l'heure. Il y en a un ici, il commence un petit peu à dater, celui-là c'était assez... assez populaire au tournant de l'année 2010, on va dire, cette technologie. Donc là, ça a l'air d'être un robot, mais c'est en fait un robot qu'on peut porter, donc on peut se mettre à l'intérieur. Et donc c'est un exosquelette, on appelle ça comme ça. Donc c'est un robot... Je vais juste couper le son. Voilà, parce que ce que je dis est infiniment plus intéressant que ce qui sera comme ça. Voilà. Donc c'est un robot exosquelette qui permet de décupler la force de la personne qui le porte. Donc c'est un petit peu comme si vous aviez un vêtement, vous mettiez votre costume, mais votre costume vous permet de soulever des poids de 2000 kg. Pourquoi? Parce que simplement, il est équipé de moteurs qui permet de faire ça de façon beaucoup plus efficace que ce que vous le feriez avec vos capacités naturelles. C'est pas demain la veille qu'on verra ça sur les champs de bataille, parce que vous voyez qu'on n'a pas réussi à enlever tous les câbles, et en fait les câbles qui connectent encore ce dispositif au monde extérieur, ce sont tous les câbles qui transportent la puissance, en fait. Donc en termes
d'autonomie, c'est pas encore ici. Mais par contre, bon, c'est un objet de nouveau d'ingénierie qui est assez remarquable, parce que vous voyez que les mouvements sont très fluides, mais malgré ça, on peut soulever des charges qui sont complètement incroyables. Alors il y a des incidents industriels aussi, hein, pour l'augmentation, je vous en ai parlé tout à l'heure, les personnes qui ont des métiers qui sont assez pénibles et qui nécessitent des postures assez peu ergonomiques, ou des gens qui doivent serrer des objets très forts, par exemple pour des assemblages industriels. Ça a mené au développement de gants qui augmentent la force de la main, ou d'espèces de chaises transportables. Donc ça, c'est un robot assez marrant qui a été développé par Honda, la marque de voitures japonaise. C'est un robot en fait qu'on peut déplacer avec soi, mais qui se trouve entre les jambes et en fait qui permet de s'asseoir et de se lever de façon beaucoup moins fatigante que naturellement. Et donc ça, de nouveau, c'est un robot qui a priori est destiné aux personnes dont le métier, dont la fonction requiert de s'asseoir, de se lever très très souvent, par exemple. Quand on visse les boulons sur une voiture, voilà, ben, on peut imaginer que ça permette de rendre la chose moins pénible. Et puis, bien entendu, quand on parle de réparer et d'augmenter, il y a la notion de transformation. Hein, donc est-ce qu'on n'est pas en train de créer une nouvelle espèce quand on augmente ou quand on répare l'être humain ? Une vidéo toute simple, mais qui est très amusante, c'est quelqu'un qui porte une prothèse de poignet, et vous allez voir qu'il y a quelque chose de pas tout à fait normal dans sa prothèse de poignet. Ça dure 15 secondes, c'est très court, mais on comprend très vite. C'est tout simple, hein ? Mais en fait, c'est beaucoup plus simple pour un ingénieur de faire un degré de liberté en rotation qui tourne sans arrêt, c'est un moteur en fait, que d'aller mettre des butées mécaniques comme on a sur le poignet naturel. C'est beaucoup plus difficile à faire, ça, d'un point de vue technique, en fait. Donc, c'est assez évident que si moi, je dois faire une prothèse de poignet, bah, si je veux qu'elle soit pas trop chère et pas trop compliquée, je vais la faire avec une rotation continue du poignet. Mais je transforme l'humain en faisant ça. Hein. Donc, je lui donne la capacité, par exemple, ou de faire un cocktail avec une main, en tournant très vite. Enfin, voilà. On imagine, hein, là on commence à fantasmer, on imagine tout ce que cette notion de transformation, aussi simple soit-elle, aussi bête soit-elle, j'ai envie de dire, parce que là c'est vraiment un incitant qui est presque technologique, quoi. C'est tellement plus simple de faire un mouvement rotatif continu quand on parle de moteur électrique que d'aller bêtement le limiter dans l'espace, qu'une personne amputée dispose d'une capacité qu'une personne non amputée n'a pas. Deux mots sur le remplacement de l'humain. Et je pense que je vais terminer dans 10 minutes. De nouveau, j'aime bien rappeler que ce n'est pas quelque chose qui a été inventé avec la robotique. Hein. De nouveau, la technologie a toujours été un facteur de transformation de l'espace économique, de l'espace industriel, en vue de retirer certains humains du marché du travail. Hein. Ici, c'est quelqu'un qui était en fait responsable d'un passage à niveau. C'était un aiguilleur à l'époque des premiers trains où les aiguillages étaient manuels. Hein. Donc, où il y avait quelqu'un qui vivait, je pense, à proximité de chacun des aiguillages ou à proximité de chacun des passages à niveau pour l'actionner quand le train arrivait. C'est un métier qui n'existe plus, en tout cas dans la plupart des pays du monde, c'est un métier qui n'existe plus et qui a été remplacé par des dispositifs électromécaniques, dans ce cas-là, automatiques, qui sont beaucoup plus safe, sans doute, hein, qui permettent d'avoir beaucoup moins d'accidents. Et qui soulève la question de savoir est-ce que c'est une bonne chose ou pas. Est-ce que c'est une bonne chose que ce monsieur ait perdu son travail parce qu'il a été remplacé par une machine ? Et la robotique peut évidemment amener à poser le même genre de questions. Alors, le remplacement ultime de l'humain, c'est le robot humanoïde, évidemment, dont vous avez déjà entendu parler. Vous en reconnaissez ici peut-être certains des plus connus. Hein. Le robot Atlas, je vous encourage à aller voir des vidéos sur YouTube de ce qu'il sait faire. C'est incroyable, il sait danser, il sait faire des sauts périlleux. Enfin, c'est le robot humanoïde le plus évolué qui existe à l'heure d'aujourd'hui. Il est développé par une entreprise américaine qui s'appelle Boston Dynamics, qui fait juste des trucs incroyables avec ces robots. Donc le robot humanoïde, c'est un petit peu le fantasme absolu de celui qui voudrait remplacer l'humain, puisque il a la même forme, la même caractéristique, le même corps, cette notion de corps que nous. Alors, de façon beaucoup plus pragmatique, où est-ce qu'on va retrouver des robots éventuellement aujourd'hui pour remplacer les humains ? D'abord et avant tout dans des contextes industriels.
parce qu'il y a des tâches qui sont difficiles et fatigantes et que les robots font de façon beaucoup plus efficace en fait que les humains, éventuellement dans des environnements dangereux, tels que par exemple travailler dans des vapeurs toxiques ou dans des endroits radioactifs ou dans des endroits très chauds, très froids. Bon, il n'y a rien à faire. Une machine qui est conçue pour ça va être beaucoup plus appropriée qu'un humain pour le faire. Un exemple qui est sans doute le plus connu de la robotisation de l'industrie, c'est celui du montage des voitures. Voilà comment on montait les Ford au tournant de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'était surtout des dames, les hommes étaient au front ou étaient morts au front, c'était surtout des dames qui faisaient ces tâches-là. Et donc c'est en fait la première chaîne de montage des voitures, Ford est connue pour avoir inventé ça, qui a été mise en place avec des humains. Voilà comment on monte les voitures aujourd'hui. Donc vous voyez que finalement, la morphologie de l'usine n'a pas tellement changé. C'est un tapis roulant qui avance et qui fait avancer les voitures. Mais on a remplacé les braves dames qui vissaient les boulons et goupillaient les phares par des robots qui le font plus vite, plus précisément, de façon plus répétable, de façon plus systématique que les êtres humains qui le faisaient précédemment. Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose ? Ben, on va toujours trouver évidemment des arguments dans un sens et des arguments dans l'autre. Alors, est-ce que c'est un problème qui est encore actuel aujourd'hui, la robotisation en industrie ? Oui, en particulier dans le domaine de l'électronique. Donc voilà comment sont fabriqués vos téléphones portables aujourd'hui. Ce sont des usines en Chine, et en particulier chez Foxconn, qui est un des fournisseurs, qui est le fournisseur en fait, d'électronique des plus grandes marques de téléphones mobiles, dont Apple, donc pour les iPhones. Les iPhones sont aujourd'hui en grande partie encore assemblés à la main, par surtout des dames, surtout en Chine, avec des rythmes de travail qui sont abominables, la notion de syndicat là-bas n'existe pas, des conditions de travail donc, qui sont tout à fait inhumaines, donc on pourrait se dire, en fait, c'est une bonne chose que personne ne soit remplacé par des robots. Ben oui, puis d'un autre côté, est-ce que c'est une bonne chose qu'il n'y ait plus d'emploi ? On sent bien que la question est délicate. Mais donc là, il y a des questions éthiques liées évidemment à la robotisation du travail, mais aussi à la façon dont on fait travailler les gens aujourd'hui qui sont assez critiques. Et quand on regarde un petit peu les statistiques mondiales de la vente de robots industriels, ben, tiens, quels sont les domaines où on vend le plus de robots aujourd'hui ? C'est dans le domaine de l'électronique, de robots industriels, donc de robots qui ressemblent à ceci. Et quelles sont les zones du monde où on en vend le plus ? Tiens, c'est en Asie. Donc, c'est sans doute le marché qui est en train de se robotiser le plus rapidement à l'heure d'aujourd'hui. Alors, quid des jobs plus intellectuels, donc qui nécessitent plus une interaction ? Ben là, vous interagissez déjà tous et toutes avec des machines. Qui fait ses courses en parlant à une caisse automatique plutôt qu'en parlant à la caissière ? Qui va à la banque en n'ayant plus besoin d'interagir avec un être humain, mais en faisant tout au travers d'une machine. Dans certains aéroports, on n'a plus besoin de parler à un être humain pour prendre l'avion. On dépose sa valise dans une machine, on récupère sa carte d'embarquement de la machine, et jusque la porte de l'avion, en tout cas, on peut vraiment s'abstenir de devoir rentrer en communication avec un autre être humain. Donc ça nous touche déjà aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est des robots ou pas ? Ben, s'il y a la notion de mouvement, on est un petit peu à la frontière, c'est pas si clair que ça, peut-être ici oui, mais bon, voilà, est-ce que c'est des robots ou pas ? En tout cas, c'est des machines, ce sont des dispositifs artificiels qui remplacent des fonctions qui sont des fonctions, quelque part, intellectuelles, puisque ce sont des fonctions qui nécessitent d'interagir avec une personne humaine. Et puis voilà, peut-être demain, les guides de musée seront des robots, les serveurs dans les réceptions seront des robots, bon, c'est possible, il y a des prototypes qui sont développés dans ce sens. Et puis peut-être qu'après-demain, celui qui viendra vous donner ma conférence, c'est plus moi, mais c'est un robot, parce que finalement, je récite un texte que j'ai appris par cœur, que j'ai déjà dit un million de fois, donc un robot le ferait sans doute beaucoup mieux que moi, et de façon, en faisant chaque fois la meilleure blague au meilleur moment, et ce serait beaucoup mieux. Donc, voilà, question ouverte, évidemment, sur cette notion de remplacer l'humain jusqu'à des fonctions, entre guillemets, très, très intellectuelles. Alors, bien sûr, dans le domaine militaire, nos voisins en savent sans doute quelque chose mieux que moi, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau du tout. La guerre se robotise de plus en plus. On envoie des robots au front pour tuer des êtres humains, ou voire éventuellement pour anéantir d'autres robots. Ça, c'est un drone de l'armée américaine, et vous savez qu'ils sont utilisés de façon quotidienne sur les champs de bataille dans lesquels l'armée américaine est impliquée, au Pakistan, en Afghanistan, et sans doute encore dans d'autres coins du monde, avec des gens qui les pilotent dans le désert de l'Utah, donc des gens qui sortent de chez eux le matin,
disent au revoir à leurs conjoints et à leurs enfants et vont piloter des drones pour tuer les talibans pendant la journée et puis rentrent manger le soir à la maison. C'est comme ça que ça se passe. Alors peut-être que Dominique Lambert vous en parlera parce que c'est un de ces domaines de recherche dans l'éthique de la robotique principaux qui est très passionnant, mais c'est un des domaines où le remplacement de l'humain est le plus attirant. Hein. Donc, on n'en voit plus des hommes et des femmes comme chair à canon au combat, on en voit des robots. Ce n'est pas si simple que ça. Et il n'est même pas impossible qu'il n'y ait plus besoin du pilote dans l'Utah, puisqu'il y a des projets en vue de faire des robots qui auraient la capacité de prendre la décision autonome de tuer, donc d'avoir une action létale sans un être humain qui pousse sur le bouton. Je crois que ça existe déjà à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Il paraît qu'il y a des robots automatiques qui tirent sur les gens qui essaient de passer la frontière. Je n'ai pas été vérifié, je n'ai pas l'intention d'y aller prochainement, mais c'est ce qu'on m'a dit. Donc voilà, c'est pas impossible que ça nous rattrape. Voilà, j'arrive au bout de ma présentation, que je peux conclure donc en reprenant avec vous les quatre points principaux suivants. Donc, depuis la nuit des temps, les humains ont toujours été poussés à utiliser la technologie pour se réparer, pour augmenter les capacités de leur corps, au-delà de ses limites naturelles, que ce soit en taille, en force, en puissance ou en dextérité. Repensez à l'exemple de mon tournevis. La robotique est un des champs technologiques qui prend une place dans cette question de la réparation, de l'augmentation, voire du remplacement, et de plus en plus grâce à des projets technologiques qui nous viennent d'autres disciplines. Par exemple, au niveau de la théorie de l'information, je n'ai pas beaucoup parlé d'intelligence artificielle aujourd'hui parce que tout le monde en parle et donc j'avais envie de vous parler d'autre chose. Mais donc moi, j'ai beaucoup parlé de cette notion du corps, hein, donc de l'artificialisation des corps à travers le développement de nouveaux composants, des moteurs miniaturisés, des capteurs, des batteries, des nouveaux matériaux, etc. Donc aujourd'hui, c'est un fait. Les robots sont utilisés pour réparer l'humain, pour l'augmenter, voire même pour le remplacer. Au-delà des challenges technologiques, ça amène évidemment des questions éthiques fondamentales. Et c'est ça qui est intéressant dans le cycle de conférences ici, c'est que ceux qui me suivront aborderont sans doute de façon plus profonde ces questions-là. Ça concerne notre nature humaine profonde, ça concerne aussi nos modes de vie, donc la façon dont nous interagissons les uns avec les autres. Et ça modifie cette nature, ça la transforme, nos modes de vie. Et j'ai posé quelques questions pendant la présentation qui permettent de continuer le débat, hein, de vous inviter à rentrer à la maison ce soir en ayant des sujets de conversation passionnants à table. Donc j'en liste quelques-uns ici. Hein, c'est quoi la frontière entre réparer et augmenter? On la place où? C'est quoi la norme? Est-ce que c'est Usain Bolt qui court ou est-ce que c'est moi qui cours? C'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà, c'est quoi la norme? Ça veut dire quoi réparer? C'est réparer jusqu'où? À partir de quand est-ce qu'on augmente? Qu'est-ce que ça signifie d'être un être humain augmenté? Est-ce que ça nous rend plus humains, en fait, d'être augmenté? Vaste question. Est-ce que la technologie doit servir à effacer toutes nos frustrations? Donc est-ce que le fait que je ne joue pas au foot comme Kevin De Bruyne est quelque chose que je dois accepter ou est-ce que je dois essayer à tout prix de corriger cette frustration pour arriver à atteindre le même niveau que lui? Et quel sens cela a-t-il, en fait, hein, qu'on soit des êtres limités, avec un cerveau limité, avec un corps limité? En quoi cela nous définit-il notre nature humaine profonde? Je vous remercie pour votre attention.